Merci. Je suis Astou Diaw Camara. Je suis chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole au Sénégal, qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Je vais vous parler de l'accès à l'eau des systèmes d'élevage dans les territoires où cette eau est convoitée par les agro-industries. Comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays sahéliens, les systèmes d'élevage pastoraux sont une activité économique importante pour les communautés pastorales, mais également pour les pays, parce que ça joue un rôle important dans l'économie des ménages, mais également en Afrique de l'Ouest. Ce sont ces systèmes d'élevage-là qui fournissent la plupart de la viande consommée en Afrique de l'Ouest, y compris dans les pays côtiers où il n'y a pas beaucoup d'élevage. On sait également que ces systèmes pastoraux sont... Pour ces systèmes-là, la gestion de ressources clés qui sont l'eau et le pâturage est inséparable. Or, ces eaux de surface qui sont les fleuves, les lacs, les mares, pour lesquelles l'accès est plus facile parce que gratuit, ces eaux-là sont objet de plusieurs concurrences. On sait également que dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, les États ont fait le choix d'intensification agricole par l'irrigation pour développer leur agriculture. Donc, tous ces choix concourent à remettre en cause les droits, les facilités d'accès des ressources pour les systèmes d'élevage. Quand on vient sur le cas du Sénégal, la vallée du fleuve Sénégal est la zone qui est assez emblématique de cette situation-là où la ressource en eau clé pour les systèmes d'élevage l'est également pour d'autres systèmes d'exploitation comme les agriculteurs. Donc, si vous, je ne sais pas, le fleuve Sénégal, donc c'est au nord du pays. Le fleuve est le deuxième cours d'eau en Afrique de l'Ouest après le Niger. Dans cette zone également, il y a un lac, le lac de Guiers, qui est la plus grande réserve d'eau du pays et qui alimente Dakar, la capitale du Sénégal, en eau potable. Donc, vous voyez comment cette eau au niveau de cette zone-là est convoitée jusque dans la capitale pour la boisson. Et donc, au Sénégal, les politiques d'aménagement agricole sont orientées sur la valorisation de l'eau, parce que c'est ce qui a été choisi comme fer de lance du développement agricole. Donc, tout ceci concourt à une remise en cause de complémentarité, des complémentarités qui avaient été construites par les systèmes d'élevage dans cette zone-là, mais également les aménagements agricoles qui ont démarré dans ces zones depuis les années 60, avant même les indépendances, ont surtout concouru à faire déplacer les animaux qui ont quitté cette zone pour aller dans les zones plus sud pour être plus à l'aise. Mais les dernières enquêtes que nous avons faites ces dernières années, en 2019, de 2018 à 2019-2020, montrent que dans cette zone où l'irrigation, l'agriculture devient de plus en plus intensive, le pastoralisme reste. On a recensé les élevages et vous voyez ces trois cartes qui montrent la concentration des bovins, des moutons, des chèvres. Donc, ça montre que dans cette zone irriguée, à forte concurrence, l'activité pastorale perdure, mais en s'adaptant. On n'aura pas le temps de rentrer dans la manière dont les systèmes s'adaptent, mais ils y sont et ils changent selon les opportunités et selon la diversité des lieux. Toujours dans cette zone, ce qui est étonnant, donc vous voyez comment l'empreinte spatiale des activités pastorales se superpose à une empreinte forte aussi de l'irrigation. Donc, vous voyez ici, tous ces points noirs-là sont des campements d'éleveurs et on les voit moins dans cette partie rose parce que ça, c'est des zones très, très irriguées, mais ils ne sont pas très loin et les troupeaux bougent dans toute cette zone. Donc, ça, c'est la ressource du lac. Ça, c'est le fleuve Sénégal. Tout autour, vous voyez donc ça, un petit. On a la zone irriguée avec des périmètres irrigués, mais également l'agriculture. Un petit point noir, les grandes cultures. Donc, pour vous dire que dans cette zone-là, on imagine mal que des systèmes d'élevage y vivent. Et pourtant, le recensement montre toute cette présence-là d'hommes, de femmes, d'enfants, mais également de familles, des milliers de familles d'éleveurs qui vivent ici avec ces animaux. Alors, le paradoxe, c'est qu'également dans cette zone, donc vous voyez, je vous ai montré l'empreinte pastorale, mais l'empreinte agro-industrielle est également forte et et continue d'être forte parce que les enquêtes montrent, voici la carte qui le montre, que le développement agro-industriel va continuer à poursuivre. On voit en tache plus verte les espaces qui sont prévus
pour être aménagés par des agro-industries. On voit en rouge aussi ceux qui sont en cours d'être aménagés. Et des zones, voilà, tout ça, c'était déjà irrigué. Donc, les investissements, et le constat qui a été fait, c'est que ces investissements futurs-là sont prévus dans les zones agropastorales. En général, c'est les zones peu appropriées, où il y a moins de marquage du territoire, où on pense qu'il n'y a personne, il n'y a rien, et que les agro-industries, c'est en général dans ces zones-là qu'on les voit. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce territoire-là, où il y a une forte concurrence sur les ressources qui sont l'eau, mais également les résidus de récolte, etc., on a une forte présence pastorale, une forte présence d'agro-industrie et les deux dynamiques continuent. Alors, ce que ça montre également, c'est cette cohabitation-là ne peut pas se faire de façon apaisée. Donc, c'est une zone à forte tension. Et les collectivités locales, donc la loi, les acteurs dans leur diversité, essaient depuis plus de 30 ans à trouver les modes de gouvernance qui permettent à tous ces systèmes d'accéder à la ressource. Donc, le modèle de gestion qui est le plus aujourd'hui mis en avant, c'est le plan d'occupation et d'aménagement du sol. Donc, voici une carte qui montre comment est-ce que la zone, de façon concertée, a été subdivisée en zones. Par exemple, tout ce qui est zone, c'est les zones agropastorales sans priorité. Donc, c'est des systèmes de zonage qui permettent de mettre des priorités d'usage sur des parties et on superpose des couloirs de transhumance qui ont été définis de façon concertée. De façon assez étonnante, qu'est-ce que l'autre carte montre? Attention, hop là, I'm sorry. Oh, je reviens. Alors, l'autre carte nous montre que même donc cet aménagement concerté-là a du mal à être respecté. Vous voyez, tout ce qui est rouge ici, c'est des points de tension. Parce que tous les couloirs mènent vers l'eau. Et les animaux, pour arriver à cette eau-là, font butent devant des espaces qui sont aménagés par des agriculteurs des zones. Donc, ça montre la difficulté de faire observer les règles d'accès. En conclusion, je dirais que la cohabitation, entre ces deux systèmes dans ces zones irriguées pose beaucoup de questions, mais est complexe parce que les systèmes d'élevage sont intéressés par ces zones-là, même si c'est difficile d'y tenir un troupeau en extensif, au Sénégal et dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest où on a ces zones-là irriguées, c'est des zones qui sont très, très convoitées par les éleveurs pour les résidus de récolte qu'on y trouve, pour l'eau gratuite. Donc, ça pose la question également de la nécessité de plus de main-d'œuvre pour la surveillance des animaux. Et or, on voit dans ces zones-là comment les jeunes qui doivent être derrière les animaux sont de moins en moins intéressés par ce système d'élevage. Donc ça pose des questions de transmission et de la durabilité des systèmes d'élevage. Il y a également la question de l'appropriation et la faiblesse des règles consensuelles. Donc, face à la difficulté de faire fonctionner le droit positif, les communautés trouvent les conventions et les règles consensuelles. Mais nous observons à travers nos recherches que ces règles-là sont difficilement applicables dans ces zones. D'autres enjeux également qui se jouent, donc c'est de l'agro-industrie, c'est une agriculture fortement intensive. Nous remarquons des enjeux de santé qui émergent avec la prolifération des plantes aquatiques, mais également de la pollution des eaux. Donc, je disais tout à l'heure que ce sont des zones d'opportunité. Donc, c'est ça qui fait que c'est complexe en termes de choix. La question qu'on se pose tout le temps, nous, c'est est-ce que ces systèmes d'élevage vont continuer à exister? En tout cas, on remarque que depuis plus de 40 ans, ils y sont. En changeant leur façon de faire, en se spécialisant, ils essaient aussi également de tirer profit de toute opportunité, que ce soit la transformation laitière pour les femmes, etc. Donc, ça montre que ces zones-là sont des zones d'intérêt pour tous les systèmes d'exploitation de ces ressources et qu'il y a un vrai enjeu qui se trouve qu'on peut formuler à travers cette question-là. Quel mécanisme de gouvernance intégrer pour les zones irriguées? Et ce serait valable pour tous les pays qui se trouvent dans cette situation. Je vous remercie.